c'est Eric Legault de chez Galago Music. Aujourd'hui, un tuto en mode bluesman, en hommage à Billy King, en hommage au blues. Je me suis efforcé de trouver, en fait, ça s'est trouvé un peu spontanément, comme ça, une soirée chez mon pote Xavier, d'ailleurs. Salut Xavier. J'ai pris la gratte et tout, et j'ai trouvé un petit riff qui peut convenir aux grands débutants. Donc j'aurais pu faire une vidéo spécifique à comment Billy King utilise ses plans, comment il fait ses vibratos et tout ça. Ce qui m'intéressait plus, étant donné que le blues est un peu en deuil, c'est de faire un hommage au blues, et permettre à ceux qui commencent la guitare tout juste, de pouvoir faire sonner un truc avec rien du tout, parce que le blues c'est ça, il n'y a rien, mais il y a tout. Donc je vais vous montrer en détail un petit peu comment ça se passe, vous allez voir, normalement vous devriez kiffer. Donc l'idée c'est qu'à la main droite on va utiliser deux doigts, le pouce et l'index. Le but du jeu c'est que vous placez le pouce sur le gros mi, voilà, donc le gros mi c'est la corde la plus grave vers vous, et l'index va gratter le petit mi, c'est la corde la plus aiguë. Voilà, donc gros mi, petit mi. D'accord. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est trouver une alternance entre le pouce et l'index. Si on le faisait de manière régulière, ça donnerait quelque chose comme ça. De manière un peu rapide. Si vous constatez, je pose le petit doigt sur la caisse. C'est pas obligé. Mais c'est juste comme ça, j'ai l'impression de moins bouger. On peut éventuellement poser la main, mais je trouve que c'est pas génial. Ça peut un petit peu bloquer le poignet. Donc préférez éventuellement soit de rien poser du tout, soit comme moi, juste de déposer. Il s'agit pas d'appuyer comme un dingue, mais juste de déposer gentiment, et d'essayer de trouver cette alternance. Donc ça, ce serait une alternance qu'on appellerait binaire, c'est-à-dire qu'on mettrait dans chaque temps deux croches de manière régulière, 1 et 2 et 3 et 4. Ça pourrait marcher pour faire du rock, ma singe m'accélère. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver la pulsation blues. La pulsation blues, on l'appelle ternaire, c'est-à-dire c'est la même alternance de pouce-index, mais avec la petite particularité que le coup du pouce va durer tout petit peu plus longtemps, en gros, que l'index. Ce qui va donner... À vous de trouver cette pulsation. Et si vous avez ça, vous avez le truc primitif, justement, nécessaire pour l'acquisition de votre pulsation intérieure. Donc si on veut le rentrer dans le détail, on compterait dans chaque temps trois croches. Donc dans un temps, on contient à la fois un coup de pouce et un retour d'index. Quand on retape le pouce, ça veut dire qu'on est passé au temps suivant. Donc dans chacune de ces deux attaques, si on veut faire le détail du comptage, ça ferait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est pour ça que le pouce dure plus longtemps, parce qu'il dure les deux tiers du temps. 1, 2, 3, 1, temps. Ce qu'on appelle le swing, le shuffle, les croches ternaires. Et en l'accélérant un petit peu, ça vous donnera tout de suite un truc cool. Au début, ça va pas être fastoche, vous le prenez pas aussi vite que moi, vous faites plutôt... Et vous essayez de bouger la tête, comme ça. C'est-à-dire, quand je fais le coup de l'index, la tête remonte. Et quand je tape avec le pouce, pouf, la tête redescend. Important, vous allez voir pourquoi. Une fois que vous commencez à maîtriser ce truc-là, avec le talon, par exemple, de votre pied gauche, vous allez taper sur le sol, en même temps, en gros, que le pouce tape le gros mi, genre... Déjà rien que ça. À un moment donné, votre index aussi, pour enrichir un petit peu, au lieu de gratter que le petit mi, vous allez hop, donner une petite pichenette comme ça, avec l'index. Alors attendez, hop là, petite pichenette avec l'index pour choper deux cordes, c'est-à-dire la corde, le petit mi et la corde d'avant. Je ne sais pas s'il y a une belle mise au point là à l'image. Ce qui donnerait. Deux. Si vous chopez également le sol, c'est pas trop grave, ça donnera un accord mineur. Mais si vous voulez pas adopter cette tonalité un peu tristounette du... Vous éviteriez de choper celle-là. Mais bon, c'est pas un drame, pas du tout. Donc je vous fais la distinction entre les deux. S'il y a que le petit mi... Ah, j'ai galéré pour faire le nœud de cravate, vous savez même pas. Franchement, ça n'a rien à voir, je sais. Mais j'ai passé à peu près 35 minutes hein, à choper des tutos. Je sais pas, les tutos vidéo, ça ne fonctionne pas en tous les cas pour moi. Concernant les notes cravates, je me suis débrouillé comme je pouvais. Voilà, il y a un bouton qui dépasse, bref, voilà. Donc l'idée, si vous chopez que le gros mi, le petit mi, avec le pied, ça donne ce son-là. Si l'index chope deux cordes, les deux cordes aiguës, et puis
y a des petites comme ça, parfois vous pouvez essayer de choper que le petit mi, et des fois en choper deux, ou alors de pas faire du tout attention à ce que vous êtes en train de jouer, et laisser le truc venir comme ça. Ok, on va l'enrichir. Ah ah ! Avec l'index, ou plutôt le majeur de la main gauche, on va appuyer sur la troisième case du gros mi. On pourra appuyer de manière absolument pas conventionnelle, en appuyant par exemple ici. Et puis vous l'enlevez. Hey ! Ça commence à venir. De manière un peu plus conventionnelle. Et en gros, le but de l'exercice, c'est que vous fassiez votre propre improvisation. C'est-à-dire, vous restez longtemps. C'est le principe du blues, que ce soit hypnotique, écoutez Johnny Hooker, bah, il n'y a rien du tout, mais ça tourne en boucle et tout. Il faut que ce soit... Voilà, il faut que ce soit incantatoire, comme ça. J'appuie en 3. Ok, deuxième plan, l'idée. Alors, on l'enrichit. Maintenant, au lieu d'appuyer que en 3, j'appuie en 3ème case, pareil, mais après en 5ème case aussi. Encore une fois. Vous restez autant de temps que vous voulez, quand vous en avez marre, vous bougez. Mais le principe de l'exercice, c'est qu'il dure longtemps. Créez votre ambiance vous-même et vous l'enrichissez au fur et à mesure. Au niveau du nom des notes, ici c'est la note sol en 3ème case, en 5ème case c'est la note la. Ah, ah. La note la, elle est très pratique, puisque la note la on la trouve à vide aussi sur la 2ème corde des graves. Donc ce que vous pouvez faire pour varier la sonorité avec rien du tout, c'est qu'avec la main gauche vous allez bloquer avec le push le gros mi, ce pouce là qui va bloquer le gros mi. Et à la main droite, le pouce va non plus gratter le gros mi, mais la corde juste à côté, la corde de là. On va bloquer ici pour éviter les accidents et ça donnerait ça. Et on revient en mi. En la. Donc la cinquième case qui était ici va sonner, hein. Pareil que le la vide. Mieux préférer les cordes à vide quand on peut, le son dure plus longtemps qu'une note qui est frettée, une note qui est appuyée sur le manche. Et maintenant on va balancer le plan de la mort. Ok, on a vu que la grosse corde grave c'était la note mi. Cool. La petite note aiguë c'est aussi un mi. Ce qui veut dire que si je sais que ça marche en 3ème case du gros mi, il y a des chances que ça marche en 3ème case de la corde du semi. Qui sait? On va voir. Je veux pas rebalancer ma formule, je sais pas, j'entends comme ça. Et je repars en 3ème case, genre. Alors qu'à la 5ème case du gros mi ça marchait, ça marchera peut-être à la 5ème case du petit mi, qui sait. 3ème case. Je fais pareil, mais je prends la basse mi, la basse là au pouce, la main droite. Vraiment, vraiment d'avoir fait tourner longtemps cette basse mi et cette basse là, vous allez appuyer par exemple à la 3ème case de la corde de la, souvent la note do,
et après on pourrait gratter à la cinquième case, à nouveau mais de la corde de la toujours, et donc l'alternance au pouce se ferait bien sûr sur cette corde de la, ce qui donnerait du coup, imaginons qu'on est en mi, bon. Puis j'ai envie de finir le morceau, une espèce de fin quoi, ouais. Je fais durer longtemps parce que j'aime bien. Cinquième case, et je repars en mi. Le pouce tabagoté, ça arrive. Je recommence ma petite fin, 3-5. Cool, et on pourrait le faire dans l'autre sens, 5 et 3. Et je vous donne un dernier truc. Entre 5 et 3, il y a case 4. Qu'est-ce qui se passerait si je le jouais? Mais ça marchera que sur la corde de la, à vrai dire. 3 et reviens en mi. Et voilà. Voilà, bah écoutez, l'idée donc de ce tuto, hein, c'est que vous fassiez plaisir. Il n'y a pas de morceau prédéfini. Vous le faites tourner, vous improvisez par-dessus. C'est le principe aussi du blues. C'est le principe du jazz et de toutes les musiques qui ont suivi dans le XXe siècle. Donc vous prenez bien le temps de faire tourner chacune des positions. Le but du jeu, c'est que ça dure longtemps. Ne faites pas genre... Ok, d'accord, bon, ça d'accord. Le 4, il a dit, machin, j'essaye en 3 là-haut. D'accord, c'est bon, j'ai compris. Non, une fois que vous avez compris, c'est que vous venez juste d'entamer la surface du truc. Vous le faites tourner plein de fois, puis après, vous essayez de fouiner, vous essayez en 7, 8, partout, vous essayez de voir un petit peu comment ça peut sonner. Donc je vous file un dernier, petite ruisounette, un truc un peu de beau gosse, sauf quand on a un briquet rose, comme le mien. Je sais, bah, c'est le dernier que j'ai qui fonctionne, donc bah, il est rose, voilà. Hein, j'en cherchais un autre, puis je n'ai pas trouvé, je dis vas-y, c'est bon. J'assume le briquet rose. Alors, ça, vous pourrez l'utiliser sur le petit mi, le coup du briquet, genre sur la troisième case, la cinquième case, la septième marcherait aussi, etc. Vous chercherez en douzième, ça marchera aussi très bien. L'idée, c'est que on va faire tout pareil que ce qu'on a fait avant. Ouais, on se remet bien dans la pulse. Yeah. Donc le fait de bouger la tête, de taper du pied, ça vous donne un rapport à vous-même concernant la pulsation intérieure, et puis ça file aussi aux gens qui vous écoutent, envie de taper du pied également, de taper dans les mains. Briquet rose. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai placé la tranche du briquet, on aurait pu mettre la plat aussi. Là, ça marche moins bien, la tranche, le côté pointu. Et donc, pour la troisième case, là, par exemple, j'appuierais vraiment... Enfin, j'appuie pas des masses non plus, pas comme un bourrin, mais je me place par-dessus la frette qui mène à la case. La case 3, elle est là. La case 4, elle est là. Le principe du... Normalement, on le ferait avec un bottleneck. Mais déjà, un, je l'ai perdu. Et deux, c'est vraiment une méthode à l'arrache, et c'est ça qui m'intéresse. Vous le placeriez par-dessus la frette de la troisième case qui va à la 4. Donc, pas là. Là. Si vous voulez que ce soit plus ou moins juste, ce sera ici. Donc, vous faites la même chose en 3. Vous faites pareil en 5. Pour aller jusqu'en 7, peut-être même utiliser la 6. Je vais essayer une petite impro sur les cases 3, 5, 6, 7. Donc je balade mon bottleneck du pauvre. Pulsation, bougeage de tête. Troisième case. Je la sens pas là. J'irai plutôt chercher en 12, ça marche bien. Un peu comme dans Dust My Bloom de Elmore James. 10, 9, 7. Voilà. Bon, ça marche, voilà.
Alors pas toutes les couleurs sont jouables. Promis. Cinquième case du coup. C'est moyennement joli, mais ça marche quand même. C'est ça le principe du blues, c'est qu'on le fait avec rien du tout. Il suffit d'une corde. Voilà, bah écoutez, j'espère franchement que ce tuto vous aura plu. Il était bien adapté à ceux qui commencent la guitare. Ceux qui connaissent déjà un peu plus, ils vont, à mon avis, pouvoir élaborer davantage. Je ferai peut-être une petite suite. Ça faisait longtemps que j'avais pas attaqué le blues et tout. Bah, à chaque fois que je reviens sur le sujet, c'est toujours un émerveillement. Donc je suis bien content d'avoir réussi à trouver ce petit schéma de main droite et tout. J'espère que vous l'apprécierez autant que moi. Voilà, sachons apprécier les choses simples. C'est du roots, man, c'est du roots qu'il nous faut, disait Trio. Je crois que c'est jamais aussi vrai pour ce type de morceau. Bon allez, je vous laisse gratouiller, essayer tout ça. Soyez heureux, bonne musique, à très bientôt, ciao.